le monde, c'est Galax et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le jeu complet via l'EA Access disponible depuis hier, donc du coup le 21 septembre au soir sur la Xbox One. Il sera disponible aujourd'hui le 22, les amis, sur PC, toujours en EA Access. Et le jeu sera disponible, il me semble, le 29 septembre en version normale. Du coup, c'est un jeu de sport de football, dégoté au moins de 3 ans, c'est jouable en solo, en multi en local, également en multi en ligne. Et aujourd'hui, on va commencer le mode de jeu, l'aventure, qui est le nouveau mode de ce FIFA 17, mode scénarisé. Du coup, on y va avec bien sûr Hunter. C'est parti pour découvrir cette aventure. Et il me semble qu'on doit choisir notre club. Nous avons le choix entre tous les clubs de première ligue, donc Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, City, etc., Tottenham. Et moi, bon, je vais tuer le suspense, je vais choisir Arsenal. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe où vraiment il y a une petite tranche de français. Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer d'intégrer une équipe comme Arsenal. En plus, j'ai envie de voir comment est modélisé Arsène. On y va, c'est parti. Donc les Gunners, surnommés cette année-là les Invincibles, les joueurs d'Arsenal ont bouclé la saison 2003-2004 invaincus en championnat avec un total de 26 victoires, 12 matchs nuls et 0 défaites. Alors effectivement, c'est peut-être pas la meilleure équipe de première ligue, hein. Il y aura devant sûrement Chelsea, Manchester, etc. Mais j'ai envie de prendre Arsenal qui reste toujours un énorme club. C'est parti, on y va, et bien sûr avec son stade à l'Emirates Stadium. C'est parti, le rival sera bien sûr Tottenham. Grosse équipe de première ligue aussi. Donc c'est parti les amis pour découvrir ce mode de jeu qui, je l'espère, va nous en mettre plein la vue. Voilà, vu que c'est le nouveau mode. On verra bien en tout cas, je n'y ai pas encore joué, on va le découvrir. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're going to talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on, then. All right, penalties it is then. Oui, c'est craqué. Alex qui s'élance pour son tir au but. Est-ce qu'on va le jouer? Ouais, on le joue. Alors, maintenir course de l'élan et on vise et on maintient pour tirer. C'est parti, boum! Qu'est-ce qu'on dit? Excellent! Notre premier but sur le mode histoire. Alors par contre, je suis pas convaincu que c'était un boulet de canon. Oh, London's finest, mate. Hey, first of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. I didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex.
champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressive. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah, might bring you luck too. You sure, Grandad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Je déteste cette tapisserie, je ne sais pas vous. Je la trouve juste immonde. Sept ans plus tard. Ah bah, il a enfin compris que sa tapisserie était pas super. It's time, Alex. Espérons vraiment que ce mode de jeu soit original, hein, parce que on l'attend énormément. Oh, ma chambre! Qu'est-ce que je fais? Alors, ah, mais d'accord, c'est le menu, hein, super! Donc social, bonne chance aux détections, on sera là pour t'encourager. Prêt pour la détection, moi et Monsieur Alex Hunter, on va en mettre plein la vue, la classe, hashtag la classe. Ok, bon bah écoutez, les jeunes joueurs s'affrontent pour avoir une chance de rejoindre la première ligue. Intéressant tout ça. Bah écoutez, on y va, c'est parti. On ne réfléchit pas trop et on voit une photo qui est derrière de Jim Hunter, notre grand papy. C'est parti. On y va donc pour la détection. Donc premier niveau entre guillemets de ce mode. L'aventure de ce mode The Journey. On va voir un petit peu ce que ça donne. Times, man. Shut up. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. Et pourtant. Alors, la personnalité d'Alex changera en fonction de vos réponses aux conversations. D'accord, pour chaque conversation, vous aurez le choix entre une réponse arrogante, neutre ou modeste. La personnalité d'Alex influe sur ses relations avec les autres personnages et son tempérament sur le terrain. D'accord, donc modeste, neutre ou arrogant. On va dire modeste. Modeste, ouais. Il faut rester concentré, on peut y arriver. On peut y arriver. What academy, mate? Play like we can, we'll walk straight into a contract. Listen, lads, don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. Did you get so grown up? Wish Dad could be here, Mum.
Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. Alors là, franchement, je préfère avoir eu talent. Belle attitude, allez. Nice attitude, son. Well, yeah. When you're this good. Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Has he got pro contract? Rough. Ça a pas l'air de trop s'entendre, hein. Ça commence bien. Exceptionnel. You lads are here today to prove that you've got the skills to make it in a professional game. Now, for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies. But for whatever reason, you've been released. Now, the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Now these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Hi, my name's Zab, on you again. Let's see how confident he is when I get him one-on-one on the pitch. J'aime les défis. J'ai envie de le démolir là, tu vois. Allez, on y va, c'est parti, les amis. Détection. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere. But today, you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Gardien de but. Non, quand même pas, faut quand même pas déconner. Alors, on a le choix entre milieu, d'accord. Je vois sur les ailes ou carrément buteur. J'ai envie de mettre en buteur. Sérieusement. Mais, milieu de terrain serait peut-être pas mal aussi. On va se mettre en buteur. Allez, soyons fous. Oh, following in granddad's footsteps, eh? Alright, lad. Go do him proud. Il faut que je marque. Oh oui, c'est l'objectif. Je suis un buteur. Alors, finir dans les 10 premiers. A quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11v11 for the top players. All right, lads, go do yourselves proud. D'accord, pour l'instant, je suis 15e du coup, il faut rentrer dans les 10 premiers. OK. C'est parti. Sympa le principe. Temps de chargement. J'adore les écrans noirs. C'est tellement beau graphiquement. Alors, équipe 1 contre équipe 2. Donc on est sur le terrain d'entraînement évidemment, ça on aurait compris. On peut jouer, c'est parti. On y va. Ah merde, c'est moi qui ai le ballon, je suis con. Ah mais je joue tout le monde. What? Pourquoi je joue tout le monde moi? J'ai pas prévu ça comme ça en fait. J'ai pas prévu de jouer tout le monde, c'est chelou. Je pensais que je jouais que Alex Hunter. Ah bah bravo pour l'immersion, c'est bizarre. Non franchement c'est chelou. C'est chelou. M'attendais vraiment pas à ça en fait. Ok bah écoutez, on va le passer là-bas. Je pensais pas que je jouais tout le monde. Non, je me suis piqué le ballon, dommage. 6,1 pour l'instant pour Alex Hunter. Je pensais pas que je jouais toute l'équipe, je pensais que je jouais juste Alex moi. Franchement c'est un peu dommage ça. Bon bref, comme ça au moins on joue l'équipe. On se refait un petit peu à FIFA, voilà, premier entraînement. Par contre manque de musique là, hein. Manque d'ambiance dans ce
Alors ce stade, forcément, c'est un stade d'entraînement, donc c'est un peu logique. Il y a eu une faute, effectivement. Oui, il y a eu une faute. Allez, je l'envoie. C'est parti. On envoie plus loin. Attention. Ah, je me suis repiqué le ballon, c'est incroyable. Ah, pour l'instant, Alex Hunter 6,1. Mais comment veux-tu que je fasse des notes si je ne le contrôle pas que lui? Ce serait tellement plus simple parce qu'avec Alex Hunter, on peut après demander les amis des appels de balles et tout. Donc on peut avoir plus rapidement le ballon. C'est juste un petit peu dommage, justement, de ne pas avoir un seul joueur. Alors, est-ce qu'on pourrait pas juste contrôler un joueur? Parce que là, le mode de jeu ne me le propose pas. On peut pas. Ok, bon. Quelle tristesse. Hashtag tristesse. Moi, j'aurais préféré avoir une carrière totalement avec style mode mon joueur, tu vois. Intégralement avec lui, ça aurait été cool. Allez. Boum. Bonne passe. Dommage. Ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être bien là de récupérer le ballon. Ouh, c'était pas loin là encore. Eh ben donc, c'est vrai qu'il y a un manque d'ambiance certain dans ce stade, mais c'est un peu normal, c'est pas vraiment un stade, hein, c'est juste un terrain d'entraînement, donc bon. Heureusement, parce que justement, tu vas avoir un système de progression, c'est plutôt pas mal. Très bien. Non, mais à chaque fois que je me piquer le ballon, c'est chiant. Au pire, je m'en fous de la note des autres, moi, ce que je veux, c'est une bonne note pour mon joueur. Par contre, ce qui serait bien, c'est de marquer un but, parce que c'est ça qui nous fait vraiment, effectivement, bien évoluer, c'est pour ça qu'on voudrait le faire, mais les autres, en même temps, ils sont pros, hein, donc ils sont plutôt bons. Méfiance, allez, on va envoyer sur le gardien. C'est parti, on va redégager le ballon, tiens, en espérant rechoper Monsieur Hunter. Ah là là là, dommage. Allez, pour l'instant, bah écoutez, ça se passe plutôt bien, on est à 6,4. On a amélioré notre note par rapport à la base. Allez go, bonne passe. Non, trop long. Trop long, dommage. J'ai voulu tenter de le passer à Alex, j'étais un peu gourmand. Et puis je me suis fait avoir complètement, c'est un peu dommage. Alors, j'ai pas regardé les premières critiques par rapport à ce mode de jeu, et c'est vrai que les critiques sont plutôt... Il y a eu faute, dommage. Les critiques sont plutôt... plutôt moyennes, donc écoute, on verra bien. Moi, je le fais parce que vraiment, c'est un mode de jeu qui est tout de même super intéressant, vu que c'est le nouveau. C'est complètement new dans ce FIFA, donc c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Mais sinon, c'est vrai que, bah, du coup, vu que c'est la première expérience de EA dans FIFA par rapport à un mode scénarisé, bah, écoute, c'est peut-être un peu normal. Moi, je me souviens un petit peu du même style de mode de jeu. C'était sur Fight Night, hein, pour ceux qui ont connu Fight Night Champion. Justement, le mode champion. Attention! Ouh, c'était pas loin. Justement, le mode champion, qui était plutôt bien. Voilà, moi, j'avais... Enfin, qui était même excellent, hein, le mode champion. Vraiment, moi, j'avais adoré ce mode de jeu. Allez, petite passe là-bas, tranquille. Hop là, très bien, ça passe. Ah non, je sentais le passement de jambe, dommage. Eh, je l'ai récupéré, joli. Et donc, ouais, j'avais adoré, moi, personnellement, le mode champion dans Fight Night. Donc, il y a quand même, bon, quelques expériences dans les modes de jeu scénarisés. Je l'ai vu, Walker. Boum. Dommage. C'était pas mal joué. Franchement, c'était sympa. Dommage qu'on ait pas pu repasser à Hunter, entre-temps. Boum. Mais pour l'instant, moi, gros bémol, je voulais jouer juste Alex. Pour le faire progresser lui. Après, est-ce qu'il veut pas qu'on fasse progresser justement Walker? Parce que c'est notre ami et peut-être qu'ils veulent faire progresser les deux. Parce que je sais qu'après, il y a les deux en club. Attention, parce que là, j'ai laissé un petit trou. C'est pas cool là. Ouh là là là, attention le danger. Là, le danger est dans la surface. Wouh, bon blocage. Ça fait un corner pour l'équipe orange. C'est parti pour l'équipe 2. Bon, pour l'instant, 6,4. Je sais pas si c'est bien 6,4 du coup pour le début. Parce que peut-être qu'au début, on n'a pas de grosses notes. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oh, m'a poussé. Oh là là, j'ai pas eu le temps de me libérer. Ok, donc c'est la fin de la première mi-temps. Je suppose que c'est juste une mi-temps. Alors, est-ce qu'il y a qu'une mi-temps de jeu dans la détection? Oui, apparemment. Il faut se bouger. Yeah, I don't know what's wrong with me, man. I need to wake up. Yeah, you do, mate. Sharpish. Bah ouais, mais c'est pas évident en même temps. Ah, je suis deuxième. Attends, il me dit de me bouger, je suis deuxième, mec. Regardez. Eh non, mais franchement, lui, il est dixième. Et il me dit de me bouger. Mec, je suis deuxième. Faut juste être dans les dix premiers. On est largement bon. Attends. Ah, il est chié. C'est pas évident de marquer un but, quand même. Hein. Donc là, si j'ai bien vu le classement, je suis deuxième. Finir dans les dix premiers... Et actuellement, on est deuxième. Et on a 6 entraînements. Ok, on a 6 trucs, finition de prêt. C'est ça, il me semble que c'est différents entraînements. Shooting drills. Let's see how good you are putting the ball in the back of the net. C'est ça, exactement. Donc tirez vers les zones libres de la cage. Plus vous maintenez la touche, plus la frappe sera enlevée. Vous obtiendrez plus de points en visant près des poteaux ou en touchant les cibles. Ok, et bon, on y va. Je sens que ça va être chaud, ça. Ah mais d'accord, on est en cette vue-là.
Oh, bien joué! Boum, la cible! Boum, la cible! Dommage. En dessous, mais c'est quand même bien. Ok, bon, je suis pas trop près non plus. Pas évident. Non, la barre! Oh, encore la barre, mais j'ai touché la cible quand même, je crois. On a combien? 10 600 points. Est-ce que c'est bien? On est premier! Oui, on a fait le meilleur point! 26 600 devant Garrett Walker. Et Garrett Walker, deuxième. Bien joué, Coco. Allez, performance excellente. Je suis content. Vraiment, là, je suis très content. Ok. Donc, l'étape là était beaucoup moins longue hein, que la première. Mais c'est vachement cool, là. Hein. Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. T'es nerveux? Making you nervous, am I, Williams? That's what you get when you play with the big boys. Oh yeah, bring it on then, Hunter. J'adore les répliques. Du tac au tac. Ok, donc maintenant, troisième épreuve. Voyons voir de quoi il s'agit. Bon, en tout cas, celle d'avant était plutôt simple. Hein. Les contrôles, là. Je pense que c'est les contrôles. Allons-y. Alors, naviguer entre les portes aussi vite que possible, terminer cet exercice en franchissant la ligne d'arrivée et en tirant vers le but. Ok, c'est parti. Donc ça, c'est les entraînements classiques hein, dans FIFA de toute façon. Ça peut aussi penser aux vieux entraînements hein, pour ceux qui ont connu dans les anciens PES. Justement, les anciens PES. C'était vachement bien. Allez, oula, attention. Hop, on sert à rien d'accélérer, je pense. Hein. On peut le faire comme ça, sans se précipiter. Tu vois, hop, tu fais comme ceci, on dribble tranquille. Voilà, hop, tu fais comme ceci, hop. Hop là, et tu repars par là. On pousse le ballon. Boum! Voilà, c'est fait. Alors, est-ce que c'était bien? Excellent, apparemment. Oh oui, encore premier, 46 225, qu'est-ce qu'on dit? Il est où, Garrett? Il est quatrième, ça va, ça va. Ok, excellent, encore une fois, je suis super content. C'est pas trop dur en même temps. Bon, je pense qu'on a nos chances, hein. Alors, ok, pour le troisième entraînement, il me semble que c'était le troisième, hein. On passe au quatrième, ça va, ça avance vite, parce que le début était long. Alors, passe pour marquer, c'est parti. Up next, passing drills. Move the ball with precision. Alors, donne un ballon en profondeur vers votre partenaire. Des points sont accordés en cas de but et de passe réussie. Ok, c'est parti. Je suis pas très agressif, hein, on a 49 en agressivité. Allez, c'est parti. La passe vers mon collègue. Boum! Mais non, je me suis gouré! Quel dommage! Boum! Là, il est passé! Qu'est-ce qu'on dit? Je crois qu'il faut le faire vite, non? Je sais pas du tout. Je me suis encore gouré. Ah, ça rentre quand même. Super. Ah, par contre. Ah ouais, mais je fais vraiment des passes super loin, c'est n'importe quoi. Ah, t'as loupé! T'as loupé le ballon! Oula, par contre, je vais avoir une mauvaise note là. Arrêtons de faire le con. Arrêtons de faire le con, les gars. Ah, je suis surpris parce que j'arrive pas à faire une bonne passe. Attends. Mais putain, pourquoi tu fais toujours des passes hyper longues? D'habitude, c'est pas comme ça. D'accord, mais pourquoi je fais ça? Quel entraînement de merde, je suis sixième! Et quel entraînement de merde! Laisse tomber. On oublie l'entraînement des passes. Je sais pas pourquoi les passes allaient super loin. N'importe quoi. J'aurais pas dû faire des passes en profondeur, je pense. Ah, c'était vraiment trop longue. Ok, bon, en même temps, j'ai un joueur qui est pas très évolué, c'est pour ça que j'ai plus de jouer avec des grosses équipes. Allez, attaque 2 contre 3, on est 6ème hein, pour l'instant. Hein. Alors, travaillez avec votre partenaire pour marquer dans le but adverse, évitez que les défenseurs ne reprennent le ballon. D'accord. C'est parti, pour l'instant, on est 6ème donc on est bon. Hein. Je vous rappelle qu'on est qualifié. Alors, attends. Est-ce que je suis obligé de faire une passe? Boum! Alors! Oh, ça a été arrêté, mais c'était pas mal. Attends, hop. Ah, ça a été arrêté encore une fois. En plus, faut que je marque pas tous les points en faisant ça. C'est un peu dommage. Ouah, mais non, mais il me l'a encore piqué le ballon. Dégage. Ah, il a arrêté le gardien. Quel enfoiros. Attends, vas-y, je joue encore. Eh, c'est chaud! Là, ça passe! Allez, bon, on continue. Dixième, du coup, hein, sur l'étape, là. J'ai vraiment pas réussi cette nouvelle étape. C'était super dur, j'ai trouvé.
Super dur de passer les deux défenseurs, plus le gardien. Ok, donc voyons voir, on est combien. This is it. The 11-a-side game. Your final chance to show us what you got. Positioning, skill, being a team player. This is what we'll be looking for. Attends, mais c'est une blague. Faut être dans les 10 premiers, les gars, et je suis 10e. C'est une blague. Avouez-le. Obligé. C'est pas possible, ils l'ont fait exprès de me repositionner 10e pour me foutre le stress. Decent showing from you today, lad. But I can't help but think you got more to offer. I hope you're right. When it comes to youth talent, I usually am. Just focus on the 11-a-side game. Go out there and play your game. Allez, le 11 contre 11, c'est le match d'entraînement, le vrai match. C'est là que ça va se jouer. En plus, faut être dans les 10 premiers, nous sommes 10e. C'est chaud patate. Et retour de l'écran noir. On adore les écrans noirs. Allez, c'est parti. Let's go. Alors comme d'hab, par contre, on joue toute l'équipe. Ça, c'est bien dommage. Ça commence pas bien. Ça commence pas très bien du tout. On va pas trop le fatiguer, hein. Je vous le dis. Par contre, ils ont l'air chaud patate. Attention, on va se méfier. J'espère qu'on aura le choix de jouer que le joueur après. Parce que bon, si on joue toute l'équipe pendant tout le mode de jeu, ça va bien m'embêter, quoi. Parce que moi, je m'attendais à un mode de jeu très immersif à un joueur. Donc, j'espère qu'on pourra le jouer après, par la suite, quand on sera dans l'équipe. Allez, dégage-moi ça. Je fais courir pour pas grand-chose, mais sait-on jamais. Ah ouais, je lui ai foutu la pression. Ça mérite 0,1 point, ça, au moins, non? Franchement, je lui ai foutu la pression, il a dû dégager le bonhomme. Ah merde, il est pas passé. Je pensais qu'il allait la prendre. Pas normal, ça. Je refuse. Ah, je vais pas le fatiguer pour rien, parce qu'après, il va se crever, il va plus pouvoir rien faire, donc ce serait bien dommage. Eh, pour l'instant, je sais même pas si j'ai touché un ballon. Franchement, c'est assez incroyable là comme je me fais complètement, mais alors, complètement avoir. Oh là là, mais c'est pas possible tout ça. Ah, je récupère le ballon. Qu'est-ce qu'on est mou? Qu'est-ce qu'on est mou du genou, les gars? Allez, on y va avec Murdoch. C'est parti, une passe pour Alex Hunter. Alex Hunter, petite passe, bonne passe d'Alex Hunter pour la frappe et ça passe pas, dommage. J'ai tenté. Oh, ça aurait pu être bien, ça. Ça aurait pu être très très bon. Ok, on change de joueur. En tout cas, une bonne passe d'Alex Hunter. Ça, on a pu le remarquer, c'est cool. Alors, on était tout à l'heure, il me semble, deuxième avec 6,4, je crois. 6,4 au niveau de la note. C'est prometteur, hein. Oh, allez, Alex Hunter, c'est parti, mon grand Alex Hunter, la frappe, oh, c'est détourné. Une occasion manquée, 6,2, on gagne quand même un point. Showtime, hein. Oh, la frappe de la tête, dommage. En même temps, bon, c'est pas évident de marquer, oh, les gars, avec un joueur avec une si note, avec une si petite note. Je veux dire, faut pas non plus en demander trop, quoi. Une occasion manquée, c'était pas évident. Bon, j'aurais pu la mettre, franchement, c'était ouvert, hein, mais bon, c'est pas facile non plus. Surtout que c'est le début de notre expérience sur le jeu. Voilà, quoi, soyons pas exigeants. Allez. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il l'a pas pris? Mais quoi? Il y avait hors-jeu? Je crois qu'il y avait hors-jeu. J'ai pas tout compris, mais je crois du coup qu'il y avait hors-jeu. C'est vraiment dommage. Allez. Hop. C'est parti pour Alex Hunter dans la profondeur. Dommage, ça passe pas. J'ai taclé, j'ai tenté, hein, mais... Putain, même en étant agressif, j'y arrive pas, ça passe pas. Il est dur, hein. Franchement, c'est vachement dur, là. Allez. Yes. Alors, bon, l'important aussi, c'est de perdre des points. Parce que là, ce qu'il y a, c'est qu'on n'en gagne pas beaucoup. Mais on n'en perd pas non plus. Oui, la passe. La frappe. C'est pas vrai. Bon tir, mais tourné 6,4, c'est bien. On monte quand même en points, c'est bien. C'est ce qu'il faut. La tête. Oh, c'était pas mal. Putain, mais on va jamais gagner ce match, c'est pas possible. La tête était jolie. On est monté à 6,4, hein, donc... possible d'être dans les 10 premiers, du coup je pense que ça peut le faire avec cette note. C'est pas non plus une énorme note, hein. Attention, hein, je dis pas que c'est une énorme note, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire bien mieux encore, hein. Vas-y, attends, tente. Ah, ça passe pas, regardez, il est tellement faible le bonhomme, il est tellement faible le joueur qu'il arrive pas à passer devant.
Vous avez vu, niveau vitesse, on n'y arrive vraiment pas. Hein. Niveau jeu d'épaule aussi, ça ne passe pas du tout. C'est compliqué, hein. Ces matchs-là. En même temps, on joue contre des pros, nous on n'est pas encore pro. Hein. Enfin bon, on est là aussi pour l'être, mais je veux dire, voilà, c'est pas évident, ils ont quand même plus d'expérience que nous. Très clairement. Attention, je l'ai vu, lui. Attention, lui, je l'ai vu. Allez, il faut bloquer. Attention, c'est dangereux, dangereux. Ils s'immiscent très facilement dans la surface. Allez, faut les arrêter, faut les arrêter, faut les arrêter. Allez, je les ai arrêtés, bien joué. On repart à l'avant. C'est parti. On y va, on a le ballon. Allez, petite passe sympa. Oh, j'allais repartir en avant, c'est dommage. Et voilà, 6,4. 9ème, oh putain. Mais c'est fait exprès. Non mais, ne va pas me dire, on est 9ème sur 10. Ne va pas me dire, n'allez pas me dire que ce n'est pas scripté. C'est obligé, faut être dans les 10 premiers, on est 9ème. Et Garrett, il est 10ème. Mais c'était prévu comme ça, c'est obligé. Je sais pas. Mais on est à 16 000 points pile. Mais c'est obligatoire. C'est déjà prévu par le jeu. Je suis sûr, moi. Donc, alors, ah, voilà. Alors, je vais essayer de contrôler toute l'équipe ou de plonger au cœur de l'aventure en incarnant Alex Hunter uniquement. Cette option est personnalisable avant chaque match dans le vestiaire. Bien sûr que je veux incarner Alex. Oui, je veux Alex Hunter. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even looked like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Williams. Oh, he's got a mouth on him, hasn't he? Never shuts up. He can give it large all he wants, man. I just want to play football. Yeah, I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it, like, reoccurring. Shift starts in half an hour. It won't be long, yeah. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials, got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short. It ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You? Hi. All right. Yeah. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top draw. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. It was around back when your dad was still playing. We should call him. Good tune. Et voilà de retour dans la chambre.
Et donc les amis, performance détection excellent, ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là bien sûr pour cette première vidéo sur ce mode aventure. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Alors je pense que les débuts sont un petit peu lents, voilà, mais on va rentrer vraiment dans le bain avec de vrais matchs au fur et à mesure. On a en tout cas passé l'épreuve de détection plutôt correctement. Apparemment on a eu excellent, voilà, fallait être dans les 10 premiers, on était 9e. Je me demande quand même si ça n'a pas été un petit peu trafiqué par le jeu. Bref, bon, en tout cas les amis, on va s'arrêter là, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode très bientôt. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, bien sûr, ça fait plaisir, et c'est gratuit. Allez, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine, salut tout le monde !